On dirait tellement pas. C'est super bon. Ah, ouais. C'est vraiment super bon. On retrouve le goût et tout, c'est vraiment bon. Moi, je travaille dans un restaurant, donc de temps en temps, je mange aussi les saumons des restaurants. Et franchement, enfin, c'est super bon, quoi. Je mangerai ça au restaurant. Pour répondre à nos appétits gargantuesques de saumon, un nouveau type d'élevage tente de s'implanter en France. Des élevages ultra-intensifs de saumon. Vous allez voir, c'est terrifiant. Du coup, nous avons tenté, un coup de bluff, aller à la rencontre de passants pour leur faire goûter du faux saumon, c'est-à-dire une alternative végétale. Alors ? Non, mais moi, je trouve que c'est extraordinaire, c'est que moi, je pensais que c'était du vrai saumon, même de la truite. Et en fait, c'est un produit végétal. C'est pas si mal, hein ? Parce qu'on le sait, le saumon, en France, on en consomme beaucoup, beaucoup. Explorons les coulisses de cette industrie pour comprendre pourquoi le saumon d'élevage n'est pas aussi rose qu'il y paraît. La France est le premier consommateur européen de saumon et on est troisième, quatrième consommateur mondial de saumon. Ça dépend des années. Donc c'est quand même, on a un rôle très très important dans cette industrie-là et donc dans les impacts. Le saumon qui est le plus consommé en France, c'est un saumon d'élevage. Donc on est quand même sur entre 98 et 99% du saumon qui est issu de l'élevage. Très peu de saumons sont pêchés, c'est-à-dire que les saumons sauvages, on les consomme peu et heureusement, parce que le saumon sauvage, le salmo salar, le saumon d'Atlantique, il est rentré en novembre dernier sur la liste UICN des animaux menacés donc d'extinction. C'est une population, c'est un animal qu'il faut protéger. En France, on compte seulement deux entreprises basées en Normandie spécialisées dans l'élevage de saumon avec des bassins situés en mer. Les températures élevées des eaux en été et les poux de mer, entre autres, complexifient le développement de ces élevages. Alors, pour produire plus, en moins de temps, produire du saumon en France et surtout pour gagner beaucoup d'argent, des multinationales souhaitent développer de véritables fermes-usines de saumon avec des bassins situés sur terre. Dans le Pas-de-Calais, à Boulogne-sur-Mer, Local Ocean prévoit 8500 tonnes de saumon par an, 70 emplois. Le projet est estimé à 260 millions d'euros. Le projet a été accepté par la mairie et la préfecture. Quatre associations ont déjà déposé un recours au tribunal administratif pour faire annuler cette autorisation. En Gironde, au Verdon-sur-Mer, Pure Salmon prévoit 10 000 tonnes de saumon par an, 250 emplois. Le projet est estimé à 275 millions d'euros. L'enquête publique va démarrer à l'automne 2024. Dans les Côtes d'Armor, à Plouisy, Smart Salmon prévoit 8 000 tonnes de saumon par an, 100 emplois. Le projet est estimé à 150 millions d'euros. Ces fermes-usines terrestres de saumon sont appelées systèmes d'aquaculture en recirculation. On parle de système RAS pour Recirculating Aquaculture Systems. Avec la technologie RAS, les poissons sont élevés dans un espace clos et l'eau est recyclée. Les saumons produisent des déchets solides, comme les aliments non consommés, leurs excréments, et des déchets liquides contenant de l'ammoniac, des phosphates et des sulfates solubles. En outre, l'oxygène est consommé tandis que l'eau se charge en CO2. La technologie RAS va donc consister à pomper l'eau ainsi polluée, à la restituer proche de l'état initial et à la réinjecter. Environ 10% de l'eau est rejetée et renouvelée par jour. Élever des saumons sur terre, ça pourrait être une bonne idée, pas vrai? Fini les contraintes de toutes sortes, pas de risque quoi. Les multinationales telles que Local Ocean ou Pure Salmon qui souhaitent s'implanter nous rassurent sur ce système qui paraît bien rodé. Alors la prise de risque, nous on en identifie quatre majeurs et après il y a un autre inconvénient qui est inhérent vraiment à ces élevages. La première, c'est le bien-être animal, le bien-être des saumons qui n'est pas respecté. On peut avoir jusqu'à 500 saumons par mètre cube d'eau, c'est quand même énorme. Pour des animaux qui en principe sont solitaires, qui ne nagent pas du tout en grand banc de saumon entre eux. Donc ces densités excessives, ce qu'elles produisent, c'est du stress pour les saumons, c'est des développements de maladies, et de fait, on a des saumons qui vivent très mal. Après, il y a l'autre volet, c'est les risques d'accident. Et ça, le risque d'accident, comme n'importe quelle usine, qui en plus présente des risques technologiques parce qu'elle stocke énormément de produits, d'oxygène, de produits chimiques, des choses qui sont plutôt inflammables. Et on a un exemple qui est flagrant, c'est le Danemark. Et quand il y a un incident, l'Ifremer estime qu'il faut intervenir dans les 10 minutes, ce qui laisse très peu de temps. Et si on n'intervient pas dans les 10 minutes, on a tous les saumons qui meurent. Ça peut se compter en millions parce qu'ils sont nombreux. Donc ça peut être
40 millions, 20 millions. Et en fonction de s'ils arrivent à gérer, si c'est juste une cage, juste un bassin, ça ne va pas être les mêmes chiffres, mais on est quand même sur un très grand nombre d'individus. Les élevages à terre sont très énergivores. Donc ça, c'est quand même une problématique majeure. On parle vraiment de quantités d'eau et d'électricité qui sont astronomiques. Une seule usine de saumon nécessite la consommation électrique d'une ville de 40 000 habitants par an. Le troisième inconvénient, c'est que les élevages terrestres, donc en race, aggravent vraiment l'accès à l'alimentation, le gaspillage des ressources et les inégalités. Il faut comprendre que les deux principaux ingrédients des croquettes pour les saumons, c'est la farine de poisson et le soja. La farine de poisson, elle est produite à partir de petits poissons qui sont pêchés le long des côtes de l'Afrique de l'Ouest, mais aussi du Pérou. Ces petits poissons sont après transformés en farine de poisson et en huile de poisson. Et ce qui est important de savoir, c'est que cette pêche minotière, elle sort plus de 1,2 milliard d'animaux aquatiques chaque année. Et donc quand on parle de la pêche minotière, ce qu'il faut retenir, c'est que pour un seul saumon, il faut jusqu'à 440 poissons sauvages. Il faut imaginer tous ces petits poissons pour juste un seul saumon. Et se dire, est-ce que vraiment le saumon est indispensable pour nous ? Dernier inconvénient qui est commun aux élevages en mer comme aux élevages sur terre, tout simplement, c'est le risque pour la santé. En fait, les poissons dans la mer sont exposés à ces métaux lourds qu'ils gardent dans leur graisse. Et c'est pour ça qu'en les consommant, on consomme aussi des métaux lourds, notamment quand il s'agit des poissons ce qu'on appelle prédateurs, c'est-à-dire qui mangent d'autres poissons et qui vont finir en fait par avoir une concentration en métaux lourds importante. Alors avec la consommation de poissons, une autre source d'inquiétude qu'on a, c'est effectivement les microplastiques qu'on retrouve de plus en plus dans les poissons. Et des études ont montré qu'on le retrouvait également dans le corps humain. Ben, on se rend compte que ce type d'élevage nuit à la fois à la santé publique, à la santé environnementale et à la santé animale. Donc c'est vraiment des projets qui vont à l'encontre de la santé. Pierre Salmon avait tenté de s'installer à Boulogne-sur-Mer avant d'abandonner l'idée. Aujourd'hui, c'est Local Ocean qui veut s'implanter dans le Pas-de-Calais. L214 s'est rendu sur leur futur site pour rencontrer Denis Buagiard, élu écologiste à Boulogne-sur-Mer. Il coanime le collectif qui s'oppose à l'élevage intensif de saumon. Un des problèmes, je dirais qu'on va citer parce que ça touche en premier les Boulonnais, c'est que, comme tout élevage intensif, il va y avoir des rejets polluants, azote, phosphore, donc générateurs d'algues vertes. Et pour des raisons juridiques, Local Ocean va rejeter ces polluants à toute proximité de la plage de Boulogne. C'est un des arguments qu'on met en avant. C'est le préfet du Pas-de-Calais qui a donné une autorisation d'exploitation en début d'année 2024. Bon, il a noté également que c'est un projet qui rencontre l'adhésion des politiques locaux, sauf les élus écologistes, évidemment. Ces projets pour les autorités ou les élus locaux sont autorisés et encouragés parce qu'on considère que toute activité économique a un intérêt, c'est de l'investissement privé. Donc c'est aussi un des arguments qui est avancé par les élus. Au niveau national, on peut classer ça dans le cadre de la réindustrialisation du pays. Ce genre de projet, ça se discute par exemple dans des salons comme Choose France, qui sont des salons qui sont promus par les plus hautes autorités de l'État. Alors il y a un collectif qui s'est monté contre ce projet. C'est un collectif qui est vraiment à plusieurs niveaux, associatif, avec des associations internationales, nationales, locales. Je peux en citer, hein, ça va être France Nature Environnement pour ce qui est du niveau national, Sea Shepherd au niveau international, et puis des associations locales, mais également qui s'est élargi à des citoyens, à des partis politiques. Donc un collectif quand même qui regroupe 30 organisations. L'union fait la force. Donc les actions à mener contre ce genre de projet, c'est faire savoir. C'est-à-dire que vous avez en face une grosse artillerie qui sont les services de communication de Local Ocean. Et il faut organiser, il faut que le collectif organise une communication beaucoup plus transparente et de sensibiliser l'opinion publique par tous les moyens, alerter sur la souffrance animale, alerter sur tous les impacts qui sont totalement sous-estimés par l'entreprise, volontairement ou involontairement. Il y a un deuxième axe qui sont les recours juridiques.
On est encore dans un pays démocratique, donc il y a possibilité, heureusement, de contester ce genre de projet. Il ne faut pas sous-estimer la capacité qu'a eu notre collectif, par le biais de manifestations, d'alertes de l'opinion publique, à faire fuir Pur Salmon, parce qu'il y a une question d'image. Et le fait de se mobiliser les citoyens contre ce genre de projet, ça peut servir à les faire interrompre, parce qu'il est important aussi pour Pur Salmon et également pour Local Océan de donner l'image d'une acceptation locale et par rapport à un plan marketing ou à un plan de communication de ces sociétés. Ce n'est pas une bonne chose que le citoyen s'oppose à ces usines d'élevage intensif. Pour l'environnement, pour les poissons, il est crucial de s'opposer à l'installation de ces projets destructeurs. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas nécessaire de manger du saumon pour avoir une bonne santé et se régaler, bien au contraire. Dans le cadre de mon intérêt pour la santé humaine et plus largement pour la santé planétaire, j'ai été amené à me spécialiser dans la végétalisation de l'alimentation. En effet, on a pu remarquer que pour avoir une alimentation plus saine et plus durable, il fallait absolument la végétaliser. Alors, vous relevez le défi ? C'est extraordinaire. J'ai l'impression qu'on évolue dans le temps. Parce que moi, j'ai connu l'élevage de saumon, j'ai connu les... Et là, on est trompé, là. Mais extraordinairement. Très trompeur. C'est magnifique, ah ouais. C'est magnifique.